Salut à tous, c'est Ria, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, toute nouvelle vidéo, épisode 2-2. 4 anecdotes, une fausse, vous allez devoir deviner la fausse. On est tout de suite parti pour la vidéo. Première anecdote, j'ai failli me faire kidnapper. Eh oui, oh désolé s'il y a de la musique, hein, c'est ma soeur. Du coup, j'ai failli me faire kidnapper. Eh oui, ce n'est pas une blague. C'était il y a 3-4 ans. Il faut savoir, il y a un magasin, pas très loin de chez moi, je dirais 15 minutes. Ça s'appelle Hyper-U, enfin C-U, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà. Je vais dedans, je fais mes courses comme habituellement, genre normal. Et un monsieur qui vient me voir, il me dit gna gna gna, ouais, ton papa il t'attend dehors. Comment te dire que je vais pas faire, que je suis pas allé aujourd'hui, ce jour-là, faire les courses tout seul. J'étais avec mon oncle et ma mère et ma soeur. Donc, sachant que mon père habite loin. À ce moment-là, déjà, il habite très loin. Enfin, très loin, 1h30. Donc, il serait pas venu me chercher à ce endroit-là. Sachant qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore le permis. Et donc, je trouve ça louche, quand même. En plus, c'est un employé. Hein. Il avait la veste avec marqué U. Employé U. Et il me dit, ton papa qui te tenait dehors. C'est un ouf. Moi, normal, je suis petit. J'ai 19 ans. Non, pas 19 ans. J'ai genre 9-10 ans. Normal quoi? Je dis, ah d'accord, et je cours. Dans le magasin, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vais rejoindre mon tonton. Est-ce que c'est une vraie anecdote ou une fausse? Deuxième anecdote. Deuxième anecdote. J'ai perdu mon téléphone avec dedans. Il y avait 8 vidéos de prêtes. Comme vous savez, sur ma chaîne YouTube, la majorité, je les mets en première. Mais vu que je fais beaucoup de vidéos, que je les prépare à l'avance, j'en avais que j'avais pas mis en première. Parce que sinon, ma chaîne YouTube, il y aurait au moins 19 premières. Et donc, j'ai tout perdu. Dont la vidéo unboxing de ma PS5. Regardez ma PS5, attendez, je vous la montrer tout de suite. Petite PS5 OKLM. Je sais pas si vous la voyez. Attendez. Salut. Salut, petite PS5. Ok. Et donc, il y avait la vidéo unboxing de la PS5. Il y avait des vidéos dégustation, des vidéos Fortnite, des vidéos GTA. Heureusement, j'ai pas perdu deux vidéos. L'épisode 10 de José Gamonde, je l'ai pas perdu. Ça, heureusement. Donc, le dernier épisode de Horté Grandé. Et, qu'est-ce que c'était quoi d'autre? La dégustation de nouilles au fromage. Mais j'ai perdu la miniature des deux vidéos, par contre. Mais j'ai refait. Et donc, voilà. C'est la fin de cette anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? À vous de le deviner. Troisième anecdote. Je me suis fait reconnaître par un abonné dans la rue. Eh oui, je suis une rosta, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens, qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà. Bon, j'étais en train de me promener avec mes yanches. Oui, mes yanches. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Viens, 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 qu'est-ce qu'il y a? T'es folle ou quoi? Du coup, je me promène avec mes yanches comme ça, avec mes deux chiots. Parce qu'il faut savoir, j'ai des chiots, et ils sont trop mignons. Et j'ai deux gros aussi. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur mes animaux. Et donc, je me promène comme ça dans la rue OKLM, comme disent les gens. Ouais, du coup, je me promène comme ça au calme. Et il y a un grand quand même, plus grand que moi en âge, je pense.
Parce qu'il était bien grand, t'as bien grand. Oui, madame. Hein? Ok, alors. Il vient me voir. Oh. Tranquille, tranquille, il vient me voir comme ça. Là. C'est pas toi qui fais des vidéos sur YouTube? Je dis, ah si. Et il demande, ah. Il est comme ça, genre. Ah. Ok. Et moi, je dis, Et lui, il me dit, Ok. Et moi, je dis, Après, lui, il me dit, Ok. On peut faire une photo? Moi, je dis, oh, telle une rosta. Je dis, oh, non, c'est 10 000 balles, la photo. C'est faux, j'ai pas dit ça. J'ai dit, oui, on a fait une photo. Cheese. Et c'est la fin de cette anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? À vous de le deviner. Anecdote 4, maintenant. J'ai failli me faire encore kidnapper une deuxième fois. Mais ça fait beaucoup là, non? C'était il y a 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez, j'étais déjà assez grand en taille quand même. Hein. Mais à ce moment-là, c'était dans une circonstance où on ne voyait pas ma taille. Ok, je dois vous mettre dans le contexte. C'était les vacances d'été d'il y a 2 ans. J'étais avec ma mère en vacances. Moi, ma soeur. L'ex à ma mère et sa fille. On était en vacances comme ça. Et on était chez, justement, dans un camping. On était dans un camping, mais juste pour cette soirée-là, on est allé chez les parents de l'ex de ma mère. Tranquillement. On est sorti faire de l'overcart parce qu'on avait ramené notre overcart jusqu'à ici. Et donc c'est la nuit, hein, faut le préciser, il était 22h. Bon, l'ex de ma mère et ma mère, ils étaient sur un banc. Faut savoir, en fait, il y avait 2 routes comme ça, un parc à côté, et ici, il y avait un sort de petit truc rond-point, avec 2 buissons de chaque côté, deux buissons comme ça, et au plein milieu, comment ça s'appelle? Un banc. Voilà, c'est ça. Il y avait un banc. Et donc, ils étaient sur ce banc. Avec ma soeur. Moi, j'étais juste en train de faire l'overcart sur la route, bam, comme un gangster. Là, il y a une voiture qui arrive à fond la caisse, quoi. Elle arrive à côté de moi. Je me dis, ouh, putain. Ha, c'est des fous, les gens. Ils commencent à baisser sa fenêtre. Donc, je suppose qu'il voulait. Voilà. Et je suppose qu'il voulait demander l'heure, oui. Du coup. Parce qu'il a cru que j'étais tout seul. Et là, il a vu qu'il y avait. Ma famille. Enfin, ma mère, son ex et ma soeur qui arrivaient. Et du coup, d'un coup, il a accéléré. Bam! Et c'est pour ça que je me dis qu'il voulait vraiment me kidnapper. Parce que si dès qu'il a vu les adultes, ils sont arrivés et qu'il a accéléré. C'est qu'il avait quelque chose à se reprocher. Donc voilà. C'est la fin de l'anecdote. Et donc, à votre avis, laquelle était fausse? La 1, kidnappé. Enfin, essayer d'être kidnappé. La 2, j'ai perdu les vidéos de ma chaîne. La 3, un abonné m'a pris en photo. Enfin, on s'est rencontré un abonné. Dans la rue. Ou 4. Va me faire kidnapper. C'était la 3. Et oui, je suis pas encore à une insta. J'ai jamais été rencontré dans la rue. Si cette vidéo t'a plu et si tu veux un épisode 3, like, abonne-toi, like, commente, partage, fais tout ce que tu veux, vends, description, va voir mes réseaux, TikTok, chaîne musique, chaîne shorts et tous mes réseaux en description de toute façon. Lâche ton max de like pour un épisode 3 de 4 anecdotes, une fausse et moi je te dis... Ciao. Ciao. Ciao.
Ciao.